La balise. Vendredi 17 avril 2043. Chers frères, le gouvernement décide de nous faire travailler du lundi au dimanche. Il n'y a même pas un jour de repos. Marre de tout ça, marre de tout. Chère présidente, cher gouvernement, puisque les manifestants ne suffisent pas, puisque vous ne nous entendez pas, nous, les élèves du collège Méhippolyte Zermontreuil, avons décidé de bloquer l'entrée du collège, d'arrêter les cours et d'occuper les lieux jusqu'au retrait de la réforme de l'éducation nationale. On est tout seul. Plus de surveillants. Il n'y a plus personne. Je peux confirmer. Bonjour, bonsoir. Chers auditeurs, chères auditrices, il est 15h. Au sommaire de ce journal, la révolte du collège Politière, les élèves ont décidé de bloquer leur collège pour s'élever contre l'injustice de la réforme du calendrier scolaire. Celle-ci, nous vous le rappelons, imposera des cours aux collégiens du lundi au dimanche, sans vacances hormis une semaine en été et une semaine à Noël. Pour les élèves, c'est inadmissible. Samba, vous êtes en direct du collège Politière, c'est à vous. Merci Narges. Je suis actuellement avec Manzon, élève de 4e qui a accepté de témoigner. Manzon, pourquoi manifestez-vous aujourd'hui ? On est là parce que c'est injuste. On ne veut pas avoir cours tous les jours. On en a marre. En France, on parle de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais elle est où la liberté si on est prisonnier dans les écoles ? On en a marre. Merci pour votre témoignage, Manzon. Je rends l'antenne, c'est à vous. Samba et merci à tous. Une action des collégiens qui, vous allez le voir, est soutenue par le reste de la population du quartier. Je soutiens le blocus. On n'a pas à travailler le week-end quand déjà on étudie toute la semaine. Maintenant, à travailler les week-ends et en plus seulement 2 semaines de vacances dans l'année, je pense que ça fait un trop gros changement. Donc il faut entendre leur mécontentement. Les élèves ont déjà pas la motivation pour venir dans les conditions actuelles. Ils l'auront encore moins pour venir avec pas de week-end, très peu de vacances. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Cela dit, il faut que les revendications elles soient claires. Que veulent les élèves ? Que demandent les élèves ? Parce que le problème, c'est que si on fait un blocus, on n'apprend rien pendant qu'on fait le blocus. Et le but de l'école, c'est quand même d'apprendre des choses. À lire, écrire, réfléchir, se faire une opinion sur les questions importantes de la société. Et donc, il ne faut pas que le blocus il dure trop longtemps, sinon après, c'est au détriment des élèves. Chères sœurs, nous vivons à l'intérieur tant que le gouvernement n'a pas enlevé, retiré cette loi. Nous organisons des débats réguliers pour essayer de trouver ensemble des solutions pour un collège idéal. Nous ne savons pas véritablement comment prendre le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le pouvoir ? Que mettre en place à long terme ? Les toilettes sont sales, ce n'est pas idéal. Nous sommes dans le collège Politière, Politière 93 en Montreuil. Voilà. Débat sur comment on va s'organiser sans les adultes du collège. Tu débats. Moi j'aurais dirais des trucs, là tu ne seras pas d'accord. Voilà. Sans débat. Pour moi, pour s'organiser dans le collège sans adultes, il faut qu'on vote pour 6 ou 5 personnes qui décideront du collège. Et c'est comme des délégués du collège, on va dire. Ce qu'il faudrait pour s'organiser, c'est des robots, des IA, des intelligences artificielles. Parce que là, on ne peut pas s'organiser sans adultes. Ça va être le bazar. Donc, en fait, il faut des intelligences artificielles, pas des profs. Mais moi, je pense que donc, ce que tu as dit, en fait, c'est n'importe quoi. Parce que sans les profs, on ne peut pas étudier. Et d'abord, un robot, c'est...
c'est à tout moment il s'éteint. On ne sait jamais qui va le réparer. Vous, vous préférez qu'il y ait des profs, tout ça. Sauf que là, le débat, il est clos. Il n'y a pas de profs dans le collège. Là, on doit s'organiser comment on va faire. Vous préférez que ça soit la jungle ? Sans les profs, si tu te fais harceler, bah, je crois que les robots vont t'aider si tu te fais vraiment harceler et tu pleures. Tu ne peux rien faire. Les robots, ils n'ont pas de sentiments. Ils vont pas t'aider à faire quelque chose. Donc, moi, je préfère qu'il y ait des profs à la place des robots. Là, il faut penser à l'avenir. Ça veut dire, là, s'il y a des robots, le gouvernement, ils vont voir que ça va bien marcher, peut-être. Après, ils vont commencer à remplacer les humains par des robots dans tous les métiers. Et après, les humains, bah, ils auront plus aucune raison de vivre parce qu'il n'y aura que des robots et ils ne pourront pas gagner d'argent. C'est une très belle idée, l'idée d'auto-organisation, l'idée de s'emparer du collège, de prendre en charge tous les domaines d'apprentissage des uns et des autres. Ça vous demanderait beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de discipline, et certainement beaucoup plus de discipline que ce qu'on vous demande maintenant. Je vous donne un exemple. Vous savez, il y a des élèves parfois qui arrivent en retard le matin, ou qui ne se sont pas levés, ou qui n'avaient pas envie d'être là en cours. Ça arrive. Imaginez que c'est l'élève auquel on a confié le fait de faire à manger à midi à la cantine qui n'arrive pas au collège. On s'est auto-organisé, mais on n'a rien à manger. Voilà. Donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. Peut-être qu'au début, vous vous laisseriez surprendre. Et puis peut-être qu'avec l'habitude et avec l'entraînement, au bout d'un moment, vous y arriveriez. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire. Aqui é o Davi. Já faz um ano que o blocus já foi feito. A escola já mudou bastante. Ça fait déjà une année que le blocus a été fait. Le collège a trop changé. Je vais te raconter comment c'est notre cantine. Nous pouvons choisir tout pour manger, parce qu'il y a une machine qui fait des nourritures. Pour ça, il y a des tuyaux qui prend et prépare nourriture de le monde entier. A gente pode escolher qualquer coisa para comer. Porque tem uma máquina que faz as comidas que a gente pode falar. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Bonjour, je voudrais mon tacos comme toutes les semaines. Tacos, comment? Ma composition pour le tacos, c'est tenders, c'est viande hachée avec du ketchup en sauce, s'il vous plaît. Ok. Fini. Merci. Bonjour, qu'est-ce que tu voudrais manger aujourd'hui? Aussi, les robots là. Le robot de la sucrerie. Ah non, lui là, c'est mon gars, ouais. C'est mon gars. C'est trop bien. C'est tiramisu, là. C'est trop bien. Il y a même le gâteau, quand même. Il y a le gâteau. Non, le gâteau à la fraise. Elle bouge pas sur le blocus. Le gouvernement veut nous faire tomber, mais bon, on va pas lâcher l'affaire. Le gouvernement veut nous faire tomber, mais bon, on va pas lâcher l'affaire. Où t'es, pote? Où t'es? Le pied dans le blocus, je peux pas l'enlever. On n'est pas des bandits, demande des bandits. Ceux qui sont le Bordeaux vont t'abandonner. On va manifester, on va déranger, on va s'inspirer. Et nous allons tout arranger après la meilleure décision du gouvernement. Bouge pas sur le blocus. Le gouvernement veut nous faire tomber, mais bon, on va pas lâcher l'affaire. Le gouvernement veut nous faire tomber, mais bon, on va pas lâcher l'affaire. Bon, c'est beau de rêver, mais il faut qu'on soit réaliste. Et si on faisait une enquête pour nous aider à avoir des idées? Ouais.
ça rapporte quoi d'être prof ? Alors, est-ce que tu peux préciser, ça rapporte niveau argent ou alors est-ce que ça apporte personnellement ? Personnellement. Je pense que ça apporte beaucoup de transmettre. Quand on connaît des choses, les apprendre à quelqu'un d'autre, c'est très enrichissant. Et puis, bah, j'ai l'impression de faire un métier utile. Donc, j'ai l'impression à chaque fois que je finis mes journées ou le matin quand je me lève que je suis fatigué ou le week-end quand je dois corriger vos copies, je me dis bon, au moins, je l'ai fait pour quelque chose d'utile. Et enfin, je trouve que vous, vous avez de l'énergie, de l'imagination, vous êtes très, très drôle. Et donc, je passe quand même beaucoup de bons moments avec vous. Mais qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le collège ? Bon, j'aimerais qu'il n'y ait plus de sanctions. J'aimerais qu'il n'y ait plus de notes non plus. En tout cas, plus de contrôle. Dans l'idéal, il faudrait que les élèves choisissent ce qu'ils ont envie d'étudier. Il faudrait qu'ils réfléchissent globalement à qu'est-ce qu'ils doivent faire pour, par exemple, si jamais ils veulent faire tel métier ou aller dans tel lycée, quelles études ils veulent faire après. Mais il faudrait que ce soit eux qui choisissent les choses qu'ils ont envie d'étudier. Et qu'il n'y ait pas forcément une sanction derrière pour dire bon, ben voilà, là vous avez réussi, c'est bien, là vous n'avez pas réussi, c'est pas bien. Ce serait pas mal. Donc, plus de conseils de classe, plus de contrôle, plus d'évaluation. C'est pas mal déjà. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce serait pour une visite au collège s'il vous plaît, parce que j'ai entendu parler qu'il y a un blocus depuis un certain temps. Viens, on va te faire visiter. Venez, je vous emmène dans la salle de jeu. Non, il y a trop de bruit. Venez, on va autre part. À la perme. Ah, ouais, voilà, agriculture, voilà. On y va. Voilà, venons, on y va. C'est pas le bail. Ça vu ça. Voilà ce qu'on a décidé aujourd'hui. Si on veut supprimer les notes, si on veut avoir le choix de nos cours, si on veut avoir des récréations beaucoup plus longues, si nous voulons avoir... Est-ce que pour vous, le collège doit rester autonome ? Levez la main pour oui. S'il vous plaît, écoutez, non ? C'est pour vous, hein ? Est-ce qu'on reste autogéré ? Est-ce que c'est nous qu'on gère le collège ? Levez vos mains. Levez vos mains pour oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le collège est à nous. Le collège est à nous.